un misterio que yo no comprendo, no. Amarte así es la más grande locura, un golpe a la razón. Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer. Amarte así es una confusión, lastima el corazón, desgarra mis sentimientos para saber si dices la verdad o juegas. Monsieur Pedro, vous oubliez la trompette. Ah, mais ça, c'est pour lorsque nous le mettrons dans sa tombe, Frijolito. Zito aimait bien lorsque vous jouiez des fois de la trompette, Monsieur Pedro. D'accord. Maman, papa dit que ça te fait plaisir lorsque je me conduis bien. Alors tu peux te réjouir parce que le dernier jour d'école, mon professeur m'a félicité parce que je suis une très bonne élève. Et rajoute 13 espiègles. Dulce Maria, dis-lui ça aussi. Eh ben, bon, un tout petit peu espiègle, mais juste un tout petit peu, hein. Bon, eh bien, Ezito repose maintenant en paix, Frijolito. Monsieur Pedro, le truc du curé. S'il te plaît. Faites-le, monsieur Pedro. Ici, à Ciudad Esperanza. Nous qui nous trouvons réunis ici, en cette émouvante cérémonie, prions le Seigneur. Ah, Dieu. Enfin, mon amour, Dieu est le Seigneur. Ah. Bien. Alors prions pour Dieu notre Seigneur, qu'il emporte Huesito au paradis des chiens et que là-bas il soit très 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 heureux. Maman, maintenant que Huesito est au ciel avec mon papa, c'est sûr ils sont en train de jouer, n'est-ce pas maman? Maman, ça c'est la tombe de mon chien, mais celle de mon papa, je ne sais vraiment pas où elle est. Maman, dis-moi, où est-il, mon papa? Tu le sais, mon amour, au ciel. Huesito, lui aussi, est au ciel, et dans ce petit morceau de terre. Alors mon papa, tu sais, lui aussi, il doit avoir un petit morceau de terre. Allons-y, d'accord? On doit partir. Papa, je te laisse ici la nourriture préférée de Huesito. Un jour, tu devras dire la vérité au petit, ma fille. Hé, attendez! On n'a pas fait le Notre Père! Papa, pourquoi maman est-elle morte le jour de mon anniversaire?
À quoi tu penses, maman ? À quoi je pense ? À ta sœur Corinna. La pauvre petite. Si elle m'avait écoutée. Si elle t'avait écoutée, quoi, maman ? Elle ne serait pas retombée enceinte. Elle avait déjà Daniela. Toi aussi, tu as eu deux enfants, ou peut-être que tu m'as acheté au marché ? Un enfant, c'est bien suffisant. Avec le deuxième, tu grossis davantage et ton mari t'abandonne. Mais moi, je n'aurais pas ce problème. Parce que je ne pense pas avoir d'enfant. Ton petit ami le sait ? Ignacio n'a pas besoin de le savoir. Mais il t'a jamais parlé d'avoir des enfants quand vous vous marierez ? Évidemment que si. Mais ce n'est pas en parlant que je vais tomber enceinte, tu ne crois pas, non ? Et qu'est-ce que tu vas faire quand il te dira qu'il veut être père ? Facile. Je m'en chargerai sans qu'il le sache. Si tu m'avais écoutée. Maintenant, nous serions en train de préparer ton mariage avec Francisco. Lui, il a de l'argent et deux filles. Francisco est mon beau-frère. C'était ton beau-frère. Et si tu avais été intelligente ? Maintenant, tu serais sa fiancée, pas celle de son frère, tu comprends ? Allons chez moi, je vous préparerai un petit thé pour que cette douleur vous passe. Regardez juste le teint que vous avez. Ah, Evangelina, vous et vos petits thés. Pedro, on verra si vous direz la même chose quand vous irez mieux. Au revoir, mamie. Nous allons jouer au football. Que la Vierge me le protège. Tu écoutes ta maman et tu t'éloignes pas du tout du parc, hein? Non, mamie. Dites-moi la vérité. Mon petit-fils ne vous a-t-il pas brisé le cœur à l'enterrement, monsieur Pedro ? Oh, ne m'appelez pas monsieur. Cela me fait sentir si vieux. Vous avez entendu quand il m'a parlé de son père ? Oui. Je vous jure que ça m'a brisé le cœur, Pedro. Ça, c'est ma véritable peine avec Margarita. Elle devrait dire la vérité à Frigiolito. Dire la vérité au petit ? Lui dire qu'il n'a pas de père ? Lui dire que son père n'est pas mort. Je sais bien que Dieu n'a pas une agence d'emploi. Mais il peut me donner un petit coup de main, non ? Peut-être si tu le lui dis. Ah, tu penses qu'il est en train de me punir d'avoir menti à mon fils, n'est-ce pas ? Pauvre petit, il souffre moins en pensant que son père est mort. Aidez-moi, petite Vierge. Aidez-moi à faire en sorte qu'il soit mort pour moi aussi. Comment faire ? Comment faire pour ne pas penser à tout ce qu'il m'a fait ? Comment faire ? Enfin de retour à Ciudad Esperanza. Je pensais que tu n'allais jamais sortir de là. Mouah ! Comment vas-tu ? J'avais énormément besoin de parler avec la petite Vierge. Et comment tu as su que j'étais là ? Eh bien, j'ai regardé le ciel et j'ai vu un nuage noir. Mmh. Parce que je t'ai suivie depuis que nous avons quitté l'enterrement des Ito. Tu es folle. Maintenant que Zito est allé au ciel, il ne me reste plus que toi comme ami. Nous sommes pareils. Moi aussi, je n'ai qu'un seul ami et c'est toi. Peut-être parce que nous sommes pauvres. Et qui est-ce qui t'a dit ça ? Mon papa, il dit que nous les pauvres, nous n'avons pas beaucoup d'amis, tu sais. Dis-moi, Frigiolito, comment on sait si on est pauvre ou si on est riche ? Tonio, j'ai vraiment très faim. Ça te plairait qu'on achète une vraie grosse galette au jambon ? J'adorerais ! Combien est-ce que tu as de fric ? J'ai pas un centime. Bah tu vois, c'est pour te démontrer pourquoi nous sommes vraiment pauvres. Ah oui. Mais jusqu'à quand exactement ? Jusqu'à quand tu vas refuser de parler au moins du père de ton fils ?
jusqu'à ce que je puisse me le sortir de la tête. Mais écoute, Frijolito t'a même posé des questions sur sa tombe. Et toi, muette, rien, tu ne peux même pas répondre à ton fils quand il te parle de ce type. Ah, viens, viens, viens. 4 coins de porc frites à emporter, s'il vous plaît. Ah, ne sois pas têtue, Margarita, parle. Parle, c'est bon pour le cœur. Au moins, raconte-moi, comment est-ce que tu l'as connu? Mon amie Olga me l'a présenté. Celle du salon de beauté. Olga sortait avec Lucho, qui maintenant est son époux. Lucho avait un ami. Et voilà pourquoi on a organisé une sortie à 4. Quand je suis arrivée et que je l'ai vue, eh bien, au début, je me suis comportée comme une idiote. Bonjour. Bonjour. On devrait te mettre en prison pour avoir ses yeux. Tu es magnifique. Magnifique. Oui. Rien qu'en te regardant, j'ai découvert ce que c'est que d'être aux anges. Il était étudiant en médecine. Tout du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Comme le reste, c'était un mensonge. Pendant combien de temps avez-vous été fiancée ? Fiancée ? Mais je ne l'ai vue que ce jour-là. Et cette nuit ? Cette nuit que j'aimerais tellement oublier. À quoi trinquons-nous ? À la vie. Et aux yeux les plus beaux que j'ai vus dans toute ma vie. Nous allons faire comme à l'église. Avec cette bague, je veux m'enchaîner à ses yeux. Et les regarder le reste de ma vie. Tous les jours. Tous les jours. Ah, mais quelle horreur! Regarde dans quel état tu t'es mise. Laisse-moi aller te chercher quelque chose pour que ça te passe. Je reviens tout de suite. Margarita. Tu vois pourquoi je ne veux pas parler de lui. À peine je commence à m'en souvenir et je me mets à pleurer de colère. Parfois, ce que je ressens, je sens bien que ça m'étouffe terriblement. Je peux te dire une chose. Je ne sais pas de quoi je serais capable si je le rencontrais à nouveau. Je ne sais pas. Tiens, vas-y, bois. Dulce! Viens! Que tu es grande! Viens, laisse-moi te regarder! Oh, waouh! Regarde! Maintenant, tu es une vraie demoiselle! Mon papa m'a pourtant dit que tu venais la semaine prochaine! Oui, c'était l'idée, mais elle me manque tellement, ma douce princesse, que j'ai avancé mon voyage. Et qui est ta douce princesse? Comment ça, qui est ma douce princesse? Comment t'appelles-tu?
Dulce, mais je ne suis pas une princesse. Oui, mais tu es ma belle princesse. Mon papa dit aussi que tu vas te marier avec ma tante Chantal. Ah, mais tu es aussi une petite princesse fouineuse. Et que tu vas rester vivre avec nous pour toujours. Pour toujours, c'est très longtemps. Maintenant, viens, accompagne-moi, nous allons leur faire la surprise un par un. Nous ne pouvons pas travailler comme ça, Tonio. C'est que nous sommes petits. Allons plutôt chez moi récupérer mon petit banc. Nous devons résoudre ce problème maintenant. J'aimerais être comme cet homme. Policier? Non, grand. Ah. Ah! Que s'est-il passé, tante Chantal? Tu t'es fait mal? Ne regarde pas! Ne regarde pas. Toi, ne regarde pas. Dulce, cache les yeux de ton oncle Ignacio. Je n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Oh, mais c'était quoi ce cri? Oui, on peut savoir ce que c'était ce cri. Ignacio. Mon frère. Petit frère. Votre frère. Votre frère. Et voilà. L'écho. Elle répète tout ce que tu dis. C'est une plaisanterie, madame Lucrezia. Ou vous préférez que je vous appelle belle-maman? Non, non, belle-maman, non. Je ne serai jamais votre gendre préféré. Cette place, tu l'as, toi, pour toute l'éternité. Chantal, tu es toute nue. Laissez-moi vous dire que vous avez une fille très jolie. Figurez-vous que je vous imagine nue et... Je rigole, c'est une blague. Si vous prétendez être drôle, vous n'y parvenez pas. Une dame ne doit pas se présenter de cette façon devant son fiancé. Chantal, ta mère a raison. Enlève ta serviette. Comment? Oui, qu'elle enlève sa serviette et qu'elle s'habille. Une femme ne peut pas se présenter ainsi devant son fiancé. Tu peux me donner un baiser pour me dire bonjour, non? Non, pas avant que tu t'habilles. Tu as bien entendu ta maman. Allez, Chantal, habille-toi. Je vais te montrer ta nouvelle chambre. Comment? Ça a toujours été la chambre d'Ignacio et elle le restera. C'est logique. Vous n'allez pas partager la même chambre avant le mariage, non? Allons-y, Dulce. Viens par là. Allez, on descend, Natio. On y va. Ah, au fait, si tu veux, tu peux rester dans cette chambre. Et toi, tu vas dormir où? Là, avec toi, enlacé. Ça oui. Oui, nous mettrons un baillon sur la bouche de ta maman pour ne pas l'entendre. Habille-toi. Tout est arrivé cette unique fois. Alors Frijolito est né à ce moment-là. Je suis sûre que ce misérable a mis quelque chose dans mon verre. Comment ça, il a mis quelque chose dans ton verre? Oui, oui, ensuite, j'ai appris que ça arrivait à beaucoup de femmes. On met quelque chose dans leur boisson et ensuite, elles ne savent plus rien de rien. Ah, et tu crois que c'est ce qui t'est arrivé? J'en suis presque certaine. Peu de temps après, avoir terminé ma boisson, je ne sais pas, j'ai commencé à me sentir très bizarre. Je me suis sentie comme agitée. Comme excitée. Comme si tout m'était égal. Et quand je me suis réveillée, j'étais seule et nue dans l'appartement d'Olga. C'est là que je me suis rendu compte que... Mais ça, c'est un viol, Margarita! Et qu'est-ce qu'il t'a dit lorsque tu l'as revu? Jamais je ne l'ai revu. Olga, s'il te plaît, quelqu'un doit bien savoir où je peux le trouver. Arrête-toi, Margarita, arrête-toi. Ça fait 3 mois que je te le dis, nous ne savons rien. Ni Olga, ni moi ne savons quoi que ce soit. S'il te plaît, je vais devenir mère. D'abord, 2 choses. La première... Tu aurais dû faire attention, Margarita. Et la seconde, tu n'as pas de raison d'avoir cet enfant. Olga, s'il te plaît, tu es mon amie. S'il te plaît, toi, tu te tais. Ta petite amie se plaint maintenant, mais ça lui a fait du bien d'être avec Ignacio. Ce type m'a drogué. Il a mis quelque chose dans mon verre. Il m'a drogué. Elles disent toutes la même chose. D'abord, elles en profitent.
Et après, c'est l'homme le coupable, c'est ça, n'est-ce pas? L'homme est toujours celui qui drogue. Lucio m'a dit qu'il était parti à l'étranger. Et quand reviendra-t-il? Jamais. Il est parti à l'étranger. J'ai été une idiote. J'ai été une idiote. Mais je ne veux plus parler de ça, d'accord? Non, non, au contraire, il faut en parler. Mais calme-toi. Ah, ma belle, je dois y aller, sinon mon patron va me flanquer à la porte. Aujourd'hui, j'ai dû lui mentir. Et pourquoi ça? Je ne pouvais pas lui dire que j'arriverais en retard au travail parce que j'allais à l'enterrement d'un chien. Alors je lui ai dit que j'allais chez le médecin. C'est que je ne veux pas qu'il se fâche. Encore moins maintenant qu'il me regarde avec des petits yeux gourmands. Et à quoi ça ressemble, des petits yeux gourmands? C'est quand on te regarde ainsi, regarde bien. Comme si on regardait un poulet en sauce. Tu es folle, Adela. Daniela, ma grande nièce, laisse-moi te regarder, tu es très grande. Je n'aime pas qu'on m'embrasse. Très bien, tu aimes les baisers? Pas beaucoup. Bon, alors je vais te dire bonjour ainsi, de loin. Je peux te parler? Non. C'est bon, tout est réglé. J'ai dit à David d'aider Chantal avec ses affaires, et dans un instant, ta chambre sera prête. En plus, je lui ai dit de monter les boîtes que tu avais laissées à la cave. C'est qui, David? Quelqu'un que j'ai ramené de l'entreprise, et il travaille ici à la maison. C'est le chauffeur, le jardinier. Celui qui se charge du nettoyage en général. Imagine-toi comme elle le regarde, Lucrezia, de la tête aux pieds. Ouais, j'imagine. Ah oui, Dulce m'a dit que tu pensais que tu allais rester ici très longtemps. Mais en fait, ce sera très court. Je me marie et je pars. Ce sera toujours ta maison, Ignacio. Ton nom est à côté du mien sur le testament, alors ensuite, eh bien, je te mettrai au courant des affaires. Non, tu sais bien que les affaires et moi, nous ne faisons pas bon ménage. C'est pas mon truc. Oncle Nacho, regarde! Elle, c'est Corina, mon petit bébé. Je lui ai donné le même nom que ma maman. Je sais très bien m'occuper des bébés. Quand tu auras un enfant, je m'en occuperai aussi. Marché conclu. Quand j'aurai un enfant, tu t'en occuperas. Chantal, j'ai déjà trouvé une nourrice. Dulce va s'occuper de nos enfants. Tu pourrais dire bonjour à ta fiancée comme il se doit au lieu de parler d'enfants que nous n'aurons pas de toute façon. Comment ça, nous n'allons pas avoir d'enfants? Tout du moins pas la première année. Je veux profiter de mon mariage. Quelques mois. Pas toi, peut-être? Ces gamins vont en finir avec tout ce quartier! Madame Evangelina, le ballon! Je devrais le jeter à la poubelle! Qui va payer la vitre cassée? Qui? Ne soyez pas méchante, Madame Evangelina! C'est sans faire exprès! Sans le faire exprès? Où va-t-il tomber? Vous devriez être en train de travailler! Au lieu de déranger les gens, là! Hein? Vous êtes déjà bien assez grand pour vous faire des passes avec le ballon! Et ça? Regardez-moi ça, la Rosita. Elle a à peine 15 ans et la voilà qui collectionne déjà des photos d'hommes. Elle est devenue aussi effrontée que son pauvre père. Et ça? Et lorsque je suis en train de regarder mon programme préféré, arrive alors la vieille chouette et elle m'éteint la télévision. Je déteste la vieille chouette. Et elle, elle me dépasse. Oh, que faites-vous en train de lire mon journal? Qui est celle qui éteint la télévision? C'est moi, n'est-ce pas? Tu écris sur moi, hein? J'écris des choses personnelles et dans mon journal. Et vous n'avez pas le droit. C'est chez moi, Rosita, et j'ai droit à tout. Écoute qui parle de droit. Qui t'a donné à toi le droit de détruire ma vie? Je ne détruis pas votre vie. Tu vis chez moi. Parce que ma sœur m'a fait venir ici quand mon père est mort, c'est tout. Ta sœur? Tu veux dire ta demi-sœur? Car à ce que je sache, j'ai seulement accouché d'une fille et elle n'est pas ta sœur. Pourquoi me détestez-vous, madame? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu es née. Voilà ce que tu m'as fait! Bonjour! Pourquoi est-ce que tu pleures, Rosita? Parce que ta grand-mère me déteste!
Il ne manquait plus que ça. Maintenant, tu vas dresser mon petit-fils contre moi. Lorsque ma maman pleure, je lui caresse l'oreille comme ça, et ça lui passe très vite. Mon amour, ta grand-mère n'est pas une mauvaise personne. C'est juste que... Eh bien, elle a vu quelque chose que j'ai fait et elle s'est fâchée, tu vois. Mamie, c'est moi, je peux entrer? Oui, entre, mon amour. Mamie, est-ce que tu sais où est mon petit banc? Ton petit banc? Ah oui, il est dans la cour et je l'utilise pour étendre le linge. Tu en as besoin? Non. Mamie, est-ce que tu te souviens, tu sais, le jour où tu m'as offert le ballon de football et que Tonio me l'a cassé? Tonio te l'a pas cassé. Il l'a jeté, s'est retrouvé dans la rue et un camion l'a écrasé. Quoi? Ce fut un accident. Parce que Tonio a tiré comme un sauvage et je lui avais dit qu'il serait jamais, jamais plus mon ami. Mais tu lui avais pardonné, non? Parce que tu me l'avais demandé et tu m'avais dit que lorsque quelqu'un fait du mal à quelqu'un, eh ben il doit lui pardonner, n'est-ce pas? Un instant. Que vient faire ici cette histoire de ballon? Tonio s'est vraiment senti bien quand je lui ai pardonné. Et moi, je me suis sentie vraiment mieux. Tonio, okay. Ma grand-mère utilise mon petit banc. Ah. Nous allons devoir inventer autre chose. Mais quoi? Elle va trouver du boulot ailleurs, je sais pas. Mmh. Allons plutôt dans le quartier d'à côté, tu sais? Là où vivent tous les gens riches? Oui, c'est ça, exactement. Oui, 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 oui. Comme ça, ils nous paieront bien. C'est clair, et avec générosité, car c'est là où travaille Adela. C'est tout près d'ici. Attends, Frijolito, écoute-moi. Ta maman et mon papa, ils ne vont pas du tout aimer que nous partions d'ici, tu le sais. C'est vrai. Tu me jures que tu le diras à personne. Non, pas comme ça. Tu sais, comme dans les films. Oui, je le jure. Alors, moi aussi. Bonjour, Patocho. Tu peux nous prendre en voiture? Bien sûr que oui. Pourquoi sont faits les voisins si ce n'est pas pour vous aider? C'est que nous allons travailler au quartier des snobs. Ah mais oui? Mais ne dis pas à ma maman. Elle ne veut pas que je travaille. Marché conclu. Jamais rejeté. Je ne veux pas vous brusquer, mais nous allons nous dépêcher parce que je dois m'en aller rapidement. Allez, 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 Tonio. Monte. Bon, je crois que je vais aller faire un petit tour en ville. Oh, tu sais, je crois que tu vas avoir l'occasion de faire tout ce que tu voudras. Allez, assieds-toi, on va discuter un peu. Choisis le sujet. Qu'est-ce que tu penses de... Eh bien, tes femmes, par exemple. Ça a été le plus important pour toi. Raconte-moi. Tu offres toujours des bacs par douzaine? Non, plus maintenant. Mais laisse-moi te dire que le truc des bagues a toujours bien fonctionné. Il n'y a pas une seule femme qui y résiste. Tu devrais l'essayer? Non, 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 non. Je ne veux plus entendre parler des femmes. Comment ça, tu veux plus entendre parler des femmes? Tu es... Ne sois pas idiot, Ignacio. Non, ce que je veux dire, c'est que... Eh bien, je ne suis pas dans une période où je cherche une relation stable. Depuis que Corinna est morte. Je sais. Je sais. Mais je t'assure que le truc des bagues, c'est vraiment pas pour avoir des relations stables. C'était pour avoir des relations, point. Une phrase émouvante, un regard profond, et le paradis ouvrait ses portes. Faites bien attention. Et vous rentrez chez vous. Avant qu'il ne fasse nuit, hein, monsieur Frijolito. Hein? Voyons voir, monsieur Tonio. Venez par ici. Voilà, parfait. Je vous laisse ici. Très bien. Allez, au revoir. Au revoir, Patocho, merci. Au revoir. Au revoir, Patocho. Soyez sage. Merci, Patocho. Merci, au revoir. Au revoir, Patocho. Bye. Oh, Tonio.
Antonio, regarde-moi un peu ces grandes baraques. Ici, on va pouvoir nous donner beaucoup de fric, tu vas voir. Et comme ça, on pourra aider ma maman. Allons-y. La semaine prochaine, sans faute, je me décide à choisir ma robe pour mon mariage. Et de plus, je dois aller parler avec la maquilleuse. Il reste encore 3 mois, s'il te plaît. C'est pour ça, maman, qu'il n'y a pas trop de temps. C'est suffisant pour que quelque chose se passe et que tu ouvres les yeux. Cet homme ne te convient pas. Ignacio est médecin et il a de l'argent, c'est juste ce qui me convient. Et n'oublie pas que j'ai besoin de ton aide pour organiser ma fête de fiançailles. Tante Chantal, Tante Chantal! Tante, tu as promis de nous emmener au parc aujourd'hui. Je vous ai dit cela. Je ne m'en souviens pas. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu ne tiens jamais tes promesses, tante. Amarte así. Me ha enseñado lo que es el dolor. Quererte así es un misterio que yo no comprendo, no. Amarte así es la más grande locura, un golpe a la razón. Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer. Amarte así es una confusión, lastima el corazón. Dulce, viens là. Va tout de suite dans le jardin cueillir une fleur pour la mettre à la photo de ta mère, tu m'entends? J'y vais. Non, Danielita. C'est elle la coupable, et elle y va. Je ne l'ai pas tuée. Elle est morte par ta faute. Demande-lui pardon. À genoux, et tu lui demandes pardon. Allez, pardon. Je vais t'entendre lui demander pardon. Pardon, petite maman, pardon. Encore? Pardon, petite maman, pardon. Salon de coiffure? Oui. À 17h, ça vous va? Bien sûr. Olga, comment vas-tu? Très bien. Ah, c'est bien. Je suis venue voir si tu as des nouvelles. Une des assistantes arrête de travailler samedi. J'ai parlé avec la patronne et tu peux commencer lundi. Il s'agit de 4 heures dans l'après-midi. Oh, tu ne peux pas savoir combien je te remercie. Tu laveras les cheveux des clientes. Ne crois pas que tu vas gagner beaucoup. Non, peu importe, quoi que ce soit, c'est super, merci. Et alors toi, comment va ton mari? Eh bien, bah, comme toujours, il est sans travail. Ne parlons pas de Lucho. Comment va ton fils? Oh, là, il est triste parce que son chien est mort. Et comble de tout, il m'a interrogée au sujet de la tombe de son père. Qui plus que moi aimerait que ce misérable soit dans une tombe? Margarita, ne parle pas ainsi. Pourquoi pas? J'ai rêvé de lui à nouveau. J'ai rêvé que je me réveillais toute nue dans ton appartement. Je suis sûre qu'il a mis quelque chose dans mon verre. Non, peut-être que la boisson était frelatée, je sais pas. Moi aussi, je me suis sentie mal. Vraiment désolée, je dois aller travailler. Tu as raison, excuse-moi, d'accord? Et merci pour le travail. Ouais. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu as mis dans son verre, Lucho? Rien. Je t'ai vu y mettre de la drogue, Lucho, je t'ai vu. Quand nous étions à la discothèque, tu... Tu n'as rien vu où ma future épouse se retrouvera sans langue. Tu as compris, mon amour? Mais ne prends pas tout le jambon, moi aussi j'en veux bien. Je suis arrivée en premier, j'ai préparé ma galette et s'il n'y a plus de jambon, dis à Adela d'en acheter davantage. Me voilà, j'arrive, je suis là, je suis là. Ah, mon amour, ne me dis pas que tu as mangé tout le jambon de ce soir. C'était pour des œufs brouillés que je devais faire pour le dîner. Il est déjà mordu, tu ne vas pas mettre du jambon mordu dans le repas, non? Ah, Daniela,
Ce n'est pas une heure pour arriver. J'ai prévenu que j'arriverai en retard, Madame Lucretia. Personne ne m'a prévenu. Je vais dans ma chambre. J'ai prévenu le patron. Je vais vous le dire très clairement et pour la dernière fois. Ici, le patron, c'est moi. Vous, le patron? Vous êtes plutôt la patronne, non? Pardon, Madame Lucretia. Dans cette maison, les permissions, c'est moi qui les donne. Et les employés qui ne servent pas, je les renvoie. Mais pourquoi tu sors de la maison sans aucune permission? Je ne t'ai pas demandé de me suivre. Il vaut mieux que tu rentres à la maison, d'accord? Oui, il vaut mieux que j'y aille. Regarde, Tonio. Cette fille va finir la galette toute seule. Et moi, avec la faim que j'ai une idée. Allons-y et nous lui prenons la galette et nous filons en courant après. Non, ce que tu dis est très mal, Tonio. Voler, c'est vraiment pas bien, tu sais. Mais c'est la seule façon de récupérer cette galette. Elle ne nous invitera jamais, tu le sais bien. Tu te trompes beaucoup, Tonio. Hein, Tonio, je me sens vraiment mal. J'ai vraiment plein de morve, de la morve verte et collante. C'est dégoûtant. Plein de morve verte. Petite galette, viens ici dans ce petit ventre. Doucement, parce que l'autre moitié est pour ton petit ami, je te rappelle. T'as vu, il n'est pas nécessaire de voler. Tu sais, Dieu t'aide toujours lorsque tu es bon. Bonjour, Margarita. Bonjour. Que se passe-t-il? J'ai surpris ta mère en train de lire mon journal. Et je lui ai repris. Tu sais bien. Comme toujours. Rosita, je sais que ma mère n'est pas facile, mais tu dois la comprendre. Comprendre quoi? Que mon père l'a quittée pour partir avec ma mère? Il nous a quittés. Moi aussi, il m'a quittée. Pendant des années, je n'ai pas eu de nouvelles de mon père, et jamais je ne lui ai pardonné. Si tu le détestais autant, pourquoi tu m'as amenée vivre ici? Parce que tu étais seule. Parce que j'ai appris à pardonner. De plus, toi, quelle était ta faute? Ta mère pense que tout est de ma faute. Elle dit que ma mère est tombée enceinte pour que papa s'en aille avec elle, et que c'est pour ça qu'il l'a quittée. Donne-lui du temps. Ma mère n'est pas une mauvaise personne. Ah non? C'est une vieille chouette. Elle me harcèle. Comment ça, elle te harcèle? Fais voir tes yeux. C'est une vieille chouette, ouais. Que tu es bête. Ma mère, c'est elle que tu l'appelles ainsi, vieille chouette? Oui, elle l'a lu dans mon journal. Aïe, alors la fin du monde est pour bientôt, Rosita. Ah, Rosita. Ah, oh, je me mets à crier? Celle qui devrait crier, c'est moi. Non seulement tu m'as fait peur en entrant subitement avec Dulcé, mais en plus ton bonjour a été comme... froid. Il y avait ta mère. Mais bon, maintenant elle n'est pas là. Et peut-être, si je laissais tomber mon peignoir... Ma mère fait des allées-venues dans la maison. Mais cette nuit, peut-être... Tu seras le bienvenu. Ah, mon Dieu. Qu'il fasse nuit. Ne sois pas impatient. Pourquoi tu es venu aussitôt? Tu m'as dit que tu allais faire un tour en ville, non? Oui. Bon, c'était ce qui était prévu, mais je me suis taché avec une jante. Et je suis venu pour prendre une douche. J'allais quand même pas aller tout tacher de graisse à l'hôpital. Tu aurais dû m'appeler, je t'aurais aidé à enlever la graisse. Et maintenant, je te laisse. Je dois y aller, je t'appelle plus tard sur ton portable. Où vas-tu? Rencontrer un client. Ton frère exige que chaque client ait un entretien personnalisé. Mmh.
Attendez. Zut. Je crois pas que c'était une bonne idée de venir ici. Retournons plutôt dans notre quartier. C'est vrai. Dans les rues des riches, il n'y a pas de file de voitures qui se forment. Ils passent très vite. Il n'y a jamais personne qui s'arrête. On peut même pas passer en courant pour nettoyer le pare-brise à l'arrière. Il n'y a rien à faire. Je suis déjà fatiguée, Tonio. Moi aussi, ne crois pas que je suis pas fatiguée. Oncle Nacho, je peux entrer ? Oui, ma chérie. Si tu viens me donner l'un de tes bisous, tu peux entrer. Je ne veux te donner aucun bisou. C'est quoi ton problème avec les bisous ? Les gens qui s'aiment s'embrassent. Je veux un bisou de ma nièce préférée. Je ne suis pas ta préférée, c'est Dulce. Non. Écoute, Dulce est ma petite nièce préférée, et toi, tu es ma grande nièce préférée. Hein ? Mon papa a emmené ma sœur déposer une fleur, et pas moi parce que j'étais endormie. Et il y a un instant, un petit garçon répugnant m'a dégoûtée avec sa morve. Arc. Eh bien, en échange de l'un de tes bisous, l'oncle Nacho te promet que demain il t'emmènera déposer une fleur à ta maman. Oh, mais c'est pas un bisou ça. Ça manque de force, il n'y a même pas d'étreinte. Ça, c'est mieux. Hein? J'étais en train de penser que Rosito ne doit pas être au ciel avec mon papa. Mais pourquoi pas? Parce que ton grand-père a dit qu'au ciel, il y a plusieurs paradis. Celui des chiens et celui des personnes. Alors, ils peuvent pas être ensemble. T'as compris, Tonio? Bien sûr qu'ils sont ensemble. Il n'y a qu'un seul ciel. Vraiment? Oui. Allez, allons-y. Je suis fatiguée, grand-mère. Est-ce que je peux m'arrêter? Il ne reste que 7 minutes pour l'heure, Dulce. Exerce-toi. Mais j'ai vraiment envie de faire pipi. Bon, alors file aux toilettes et tu reviens au piano. Je regarde ma montre. J'ai beaucoup aimé ton bisou. Alors quand tu en auras un autre, souviens-toi de ton oncle, hein. Je peux t'en donner un autre grand, grand, si tu m'invites à manger une pizza ce soir. Dans cette maison, on ne mange pas de cochonneries. Les pizzas, c'est pas des cochonneries. Et c'est très bon pour le sens de l'humour. Vous n'en avez jamais mangé, non? Bon, je vais à l'hôpital. Je veux y aller! Ah! Aujourd'hui, je ne peux pas. Mais la prochaine fois, je te le promets. Aujourd'hui, je dois faire connaissance avec tous les gens, voir l'hôpital. Il ne t'y emmènera ni aujourd'hui, ni jamais. C'est sûrement situé dans une zone très dangereuse. Ce sont des gens humbles, Lucrezia, pas dangereux. Allez, Dulce, au piano. Il reste encore 7 minutes avant la fin. Je ne savais pas qu'elle enseignait le piano. Elle ne l'enseigne pas, nous avons un professeur, mais mamie nous oblige à nous exercer. Ah! Bon, je vais travailler. Au revoir, Daniela, au revoir, Dulce. Il vaut mieux que tu ne la distrais pas, d'accord? Vous savez une chose, Lucrezia? Vous avez un sourire très joli, très joli. Mamie, tu me laisses voir ton sourire, s'il te plaît? Je n'entends toujours pas ce piano. Allez, joue. J'ai besoin de travailler. Je sais que tu veux que j'étudie, mais tout de suite, le plus important, c'est que je travaille. Non, écoute, la semaine prochaine, je commence à travailler au salon d'Olga. Alors tu n'as pas besoin de travailler. Bien sûr que j'en ai besoin. Je veux m'en aller de cette maison. Je ne peux pas continuer ainsi avec ta mère qui me réprimande sans arrêt. Allons, ça n'est rien. Tu dois étudier. Écoute, ça s'est passé ainsi pour moi. J'ai abandonné mes études et regarde, maintenant je ne peux pas me le pardonner. Je ne veux pas que tu le regrettes, Rosita. Ne regarde pas d'ici à 10 minutes. Regarde ton futur. C'est ce que j'essaie. Mais ta mère est toujours sur mon dos et elle ne me laisse pas tranquille.
Arrête avec ma maman, hein. Cette histoire de vieille chouette et je ne sais quoi. Donne-moi ta glace, elle est à quoi? C'est une glace à la fraise. Ah, parce que madame est très snob. Écoute, je suis pas une snob. Allô? Salut mon amour. Bien, bien. Comment ça va toi? Oui, en fait c'est que je suis perdu, mais je sais que l'hôpital n'est pas très loin d'ici. Non, en fait j'arrive pas à trouver la rue. Et toi, comment ça se passe avec le client? Je n'en ai pas encore fini avec lui. Mais je t'appelais pour que tu choisisses le restaurant et que tu fasses la réservation pour le dîner. D'accord, je le ferai moi en rentrant à la maison. À bientôt. Tu me manques beaucoup. En plus de la quincaillerie, j'ai aussi un petit restaurant. Et si tu veux que je réserve la meilleure table avec toi et ton fiancé, ça pourrait être très amusant. N'y pense même pas. Il vaut mieux nous dire adieu comme il se doit. Nous dire adieu? Oui, mon chéri. Nous dire adieu. Mon fiancé est arrivé et bientôt nous allons nous marier. De telle sorte que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je ne veux pas être une épouse infidèle. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les femmes qui trompent leur mari. Monsieur, nous nettoyons votre pare-brise pour une petite pièce, s'il vous plaît. Tiens, prends. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas fait le travail. Mais peu importe, c'est pour toi, tiens. Non, monsieur. Si je n'ai pas fait le travail, je ne peux pas prendre l'argent. Je ne demande pas l'aumône. Bon, j'étais bien compris. Allez, viens. Hop. Tiens, maintenant, je peux te payer. T'as bien fait le travail. Oh, merci, monsieur. Écoute, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Je cherche l'hôpital. Je crois qu'il n'est pas très loin d'ici. Je suis un peu perdu. Oh, il est tout près de chez moi. Tonio, allez, allez, viens. On va avec lui. Bon, allons-y. Au revoir, mon ami. Ça a été très amusant de t'avoir connu. Attends, sérieusement, on va plus se revoir? Sérieusement. Ici, tout se termine. Je crois que tu te trompes. Et rien n'est terminé. Je te tiens, Radine. Et un jour, ce petit film vaudra beaucoup d'argent. Elle est totalement innocente, maman. Rosita n'est pas coupable. Si mon père nous a quittés, c'est parce que... Parce que c'était un égoïste. Il a payé très cher, d'accord. Pour ça, il est mort seul comme un chien. Oh maman, s'il te plaît, ne parle pas ainsi. Rosita n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une jeune fille très bien. Tu vas quand même pas me dire à moi comment traiter cette intruse. Mais ce n'est pas une intruse. C'est ma sœur, maman. N'essaye pas d'arranger les choses entre ta demi-sœur et moi. Tu as été claire avec ton fils? Tu veux que je sois claire avec mon fils? Et que veux-tu que je dise à Frigolito? Que son père est vivant mais qu'il ne l'a jamais aimé? Ça te semble moins cruel peut-être? Et voilà, on est arrivé. Merci pour m'avoir emmené jusque-là. De rien. Je vais rester un petit peu, mais si vous voulez m'attendre, je peux vous raccompagner. Non, moi je rentre maintenant. À pied. Et moi, il faut que je continue à travailler. À travailler? Oui, pour pouvoir aider ma maman. Parce qu'elle gagne pas beaucoup d'argent. Et moi, je l'aide avec l'argent que les gens me donnent. Bon, je dois y aller. Au revoir. Bye.
Hé hey, vous avez fait tomber quelque chose. Hein? À moi, il me manque rien. À moi non plus. Ben, et ça, à qui c'est? Oh là là! Oh, c'est vraiment un gros billet! Oh, c'est vraiment beaucoup de fric! Est-ce que c'est à toi, Tonio? Non, c'est pas à moi, hein. Tiens, prends-le, ça c'est pas à nous. Ah non, c'est pas à moi non plus. Celui qui le trouve le garde. Ah bon, vraiment? Bien sûr, tu l'as trouvé, il est à toi. Ouais, nous allons pouvoir manger des galettes de jambon. Des galettes, super, des galettes. Oh oui. C'est une bêtise. Mais non, ça n'est pas une bêtise. Les petites seront bien mieux avec une nourrice. Mais comment ça, avec une nourrice? Mais s'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Je ne vous accuse de rien, bien au contraire. Pour vous et pour Chantal, la seule chose que j'ai à votre égard, ce sont des mots de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour mes filles. Mais ce sont mes petites filles. Et maintenant, vous voulez m'éloigner d'elles? Vous ne voulez pas que je continue à m'en occuper? Mais enfin, ça n'est pas ça. Mais avec la nourrice, elles vont apprendre les bonnes manières. Elles vont apprendre l'anglais, la littérature. Vous préférez une étrangère? Je suis en train de parler d'une professionnelle. S'il vous plaît, Lucrécia. En plus, une femme de votre âge ne peut plus s'occuper de deux petites ensemble. Qu'est-ce que vous voulez dire au sujet de mon âge? Bon, N'en dites pas davantage, Francisco. Je sais très bien quand je suis trop quelque part. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je ne crois pas que Madame Lucrécia s'en ira. Je vous ai demandé votre avis. Non. D'accord, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Monsieur. Très bonne idée! Celle de la nourrice. Je veux dire, c'est une bonne idée. Margarita, c'est Adela. Je t'appelle pour te dire de ne pas t'inquiéter, car je suis en train de te trouver un boulot de nourrice. Oui, tu as juste à connaître la littérature, l'anglais et quelques petites choses de plus. Ah, s'il te plaît. Qui c'était? Une folle. Maman, j'y vais car sinon je vais arriver en retard au restaurant, hein. Prends soin de toi. Au revoir, Rosita. Écoutez, vous deux, s'il vous plaît, ne vous disputez plus. Rosita, tu crois pas que tu es assez grande pour être en train de dessiner toutes ces têtes? Non, ce sont des styles de coiffure. Je veux être styliste. Une autre perte de temps. Vous croyez que je suis bête? Ce n'est pas une perte de temps, vous savez. Tu es comme ton père, exactement. Rosita, regarde ce que j'ai trouvé dans la rue. C'est super, Frigolito. Tu vas pouvoir t'acheter plein de jouets avec ça. C'est génial. Je vais le donner à ma maman pour qu'elle nous achète tout plein de nourriture. C'est une super idée, mon chéri. Hé, mamie, regarde ce que j'ai trouvé dans la rue. Mais mon chéri, c'est un billet bien trop grand pour que tu l'aies trouvé dans la rue. Frigolito, tu dois pas prendre ce qui est pas à toi. Mamie, je l'ai vraiment trouvé dans la rue. Tu sais, c'est vrai. Dis-moi la vérité. Où l'as-tu pris? Mais c'est vrai. Tu sais bien que je te mens pas, mamie, je te jure. Si Frigolito dit qu'il a trouvé le billet dans la rue, c'est qu'il l'a trouvé dans la rue. C'est pas du tout un voleur. Vous devriez croire votre petit-fils. Où est-il, mon papa? Tu le sais, mon amour. Au ciel. Lusito, lui aussi, est au ciel. Et dans ce petit morceau de terre. Alors, mon papa, tu sais, lui aussi, il doit avoir un petit morceau de terre. Allons-y, d'accord? On doit y aller. Aide-moi, petite vierge. Je ne veux pas mentir à mon fils, mais cet homme m'a violée. Aide-moi, s'il te plaît. Bonjour, maman. Bonjour, mon cœur.
Je voulais te dire quelque chose. Tu sais ce que j'ai trouvé dans la rue? Mais tout de suite, je vais travailler. Tu me le racontes après. Maman, tu peux me faire un gros bisou, s'il te plaît? Maman? Oui, mon amour. N'oublie pas, tu m'as promis de m'emmener là où est mon papa. Mon amour. S'il te plaît, maman, d'accord? Mais mon amour, tu sais bien où est ton père, il est au ciel. Mais si on demandait à la petite Vierge et qu'on priait très fort, peut-être qu'il reviendra avec nous, ma petite maman.